fait, j'avais envie de parler de mode aux enfants. Et donc, on a réfléchi avec l'auteur Sophie Guillou à la façon d'en parler. Et l'idée, c'était de revenir, enfin, d'entrer dans la biographie de personnages par la petite histoire et de revenir au dessin qui est la base de la mode, en fait, plutôt que de faire un documentaire avec des photos, etc. Donc, on a créé, en fait, on est parti du roman aussi, parce que la ligne éditoriale de la maison, c'est le roman jeunesse. Donc, on est parti d'une fiction en 5-6 chapitres pour entrer dans l'histoire par la petite porte de ces personnages-là. Et après, on a complété avec une biographie sous forme de questions-réponses et un abécédaire illustré par Alice Dufay sur le style du grand couturier. Sophie Guillou, je travaillais déjà avec elle sur une collection, sur une série autour d'une adolescente dont le premier était Lucie dans tous ses états. Et puis, ça marchait bien. Je trouve qu'elle a une belle écriture. Mais je pensais que ça se prêtait au sujet. Ça l'a intéressée aussi parce que la mode l'intéressait. Et Alice, en fait, je l'ai découverte par hasard sur Facebook. Elle travaillait, elle illustrait pour le musée du mémorial de Caen une petite histoire, l'histoire d'une petite fille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouvais que son trait était très fin. Voilà. Donc je l'ai contactée, je lui ai demandé si ça l'intéressait. Et on est parti comme ça sur l'aventure, toutes les trois, l'aventure de cette collection. En commençant par Jeanne Lanvin. Qui a été notre premier titre, en fait, en 2015. Sois sauvage, en fait, comme on est... Voilà, on aime bien la mode aux petites moustaches avec les auteurs, etc. Puis moi, j'avais envie d'exploiter un petit peu plus ce domaine-là en entrant un peu plus encore dans le domaine de la mode, en parlant des petites mains, des créateurs, etc. Et puis j'ai rencontré cette illustratrice qui est styliste de mode, finalement, Marie-Gabrielle Berland, qui ne travaille pas du tout dans l'édition. Et j'ai adoré son trait, ses dessins autour de la mode, et je l'ai contactée. J'ai contacté Anne Noyer, j'ai déjà travaillé avec elle sur plusieurs livres, parce que j'aime sa façon d'écrire, je trouve qu'elle a une jolie langue. Voilà. Et puis elle a l'habitude de faire des albums aussi, elle travaille beaucoup en jeunesse, elle travaille sur plusieurs tranches d'âge. Et donc voilà, donc je lui ai proposé le sujet. Anne Noyer, la mode à la base, c'est pas trop son truc, mais elle a relevé le défi avec brio, j'ai envie de dire, parce qu'elle a fait vraiment un texte très très joli sur la création de mode. Et puis c'est comme ça qu'est né le projet, et c'est comme ça qu'est né aussi l'objet, le livre, l'album qui est sorti au début du mois. Voilà. Moi, je suis une lente, je ne fais rien rapidement. Alors la question serait plutôt, qu'est-ce que vous aimeriez faire rapidement? Et j'ai pas de réponse, parce que j'aime bien la lenteur.